Salut YouTube, bonjour, bonsoir, nous allons tester aujourd'hui, ce matin, ce soir, ce midi, selon l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo, cet épisode, le jeu Dark, un mélange de puzzle, d'exploration, avec un petit arrière-goût de Little Nightmares. Si vous avez bien aimé cette ambiance, alors évidemment, ça va faire appel à de la logique, hein? C'est-à-dire que je ne serai pas là. Mon esprit sera ailleurs, avec un T majuscule bien sûr, pendant que je tenterai, en dépit du bon sens, de résoudre les problématiques. Ça va être très très compliqué pour mon ego, principalement. Ok. Attention, posez-vous confortablement. Nous allons découvrir ce que c'est. Très bien. Une ambiance quelque peu oppressante. Petite teabag pour se rassurer, bien sûr. Oh, petite interaction. Je voulais pas m'allonger sur un lit. Très bien. Ok. Merci Magus. Pour le 14 mois. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok. Très bien. On a un système de logique avec un son spatialisé. Là, on a directement entendu le pont derrière monter. Je suis pantois. J'ai l'impression que ouais, il faut lever le pont et après marcher sur le. Ok, très bien. Évoluer, c'est super. C'est super étrange. Il y a un côté Inception. Il y a un côté. Mystérieux, un côté narratif où on ne sait pas ce qu'il y a. Là, l'aura au sol, est-ce que ça ne serait pas voilà, la capture d'un engrenage pour le mettre ailleurs, pour essayer d'activer une autre mécanique? Probablement, quelque chose comme ça. Genre ici. Il doit y avoir un côté didacticiel, hein, déjà, en amont, ici même. Hein. Ok. 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 Bon, j'ai rien. Il y a d'autres. Ok. Merci Masaki pour les 21 mois. Merci infiniment. Ah, peut-être qu'il faut revenir à aller au bout là, peut-être. Déjà pour voir dans un premier temps ce qu'il y a ici. Non, rien, à part mon ego. Alors, on peut pas se balader en mode vertical. Hein. Ok, à gauche et à droite, je peux aller. Donc là, je vais récupérer un engrenage. Mais du coup,
Bon, là, je peux passer. Je pense que si je passe ici, je vais juste me faire squeak. Non? Ah, pas de squeak, squeaker. Je pense qu'il faut faire le tour et récupérer l'engrenage par le haut. Genre comme ça. Avancer et récupérer. Gros bisous, mien. Oh, je peux courir, très bien. Et passer par ici. Les bases sont assez intuitives. Pour l'instant. On se balade de toute façon à l'horizontale et pas du tout à la verticale. Y a rien, certes. Je peux aller en haut ou en bas, c'est ce que je veux dire. Ok. Est-ce que j'aurais pas mieux fait de récupérer à... Faut que je retourne en arrière et que je récupère totalement le l'engrenage. Le premier engrenage. Que j'ai posé. Ici. Oh! Qu'est-ce que c'est? Il m'en faut un troisième. Alors, est-ce que... Hippolyte! Non, il m'en faut un troisième. Je pense qu'il faut que je récupère les deux. Ok. Là. Je fais remonter le pont. Et je pose les deux engrenages. Là où j'étais allé. Et là, ça me donnera peut-être accès à un troisième engrenage. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? On a juste allé. Aïe aïe aïe. Ok. Il y a une loupe avec une lumière qui projette le son. Le son, la lumière qui projette l'image, pardon. Alors, il y a une ambiance totalement inside. Alors. Est-ce que... Comment je fais? Là, je rouvre la porte, c'est ok. Là, j'ai pas de... Faut que je mette quelque chose, hein. Un objet, ici. Ah! Il faut... Ouais, il faut poser un objet ici pour interagir. Donc, à mon avis, il faut avoir une plateforme. Là, on a un œil à gauche. Un tête de squelette à droite. Ok. Pourquoi tu marches comme ça, tranquillement? Est-ce qu'on peut récupérer les plateformes? J'ai pas l'impression qu'on puisse récupérer les plateformes là comme ça. Hein. À moins qu'on puisse déplacer... Ah, peut-être qu'on peut déplacer l'objet en haut. Peut-être faire ça.
Ouais, je pense qu'on peut faire ça. On peut déplacer peut-être l'objet ici. On ne peut pas déplacer le hank. Non, on peut pas. Pourquoi on peut pas le déplacer? Pourquoi tu peux pas te déplacer? Pourquoi tu peux pas te déplacer? Alors, le pole dance est interdit. Tu peux pas le faire glisser. Tu peux pas le faire remonter. Peut-être une question de. Une question de gravité. On inverse, c'est-à-dire qu'on inverse la gravité, tu veux dire comme ça? Ah, oh, attendez. Il y a. C'est quoi? C'est un bouton? C'est juste du. C'est juste un élément à droite de décor. Ah, peut-être en écoutant. Est-ce que c'est. Un sacrifice, quoi. Plutôt qu'un pole dance. Il me semble hein, qu'il faut récupérer un truc ailleurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les deux écrous là. On va d'abord s'amuser avec la porte. Engrenage, ok. Engrenage, ok. Là, il n'y a rien. Je pense que. Ok. Là, on a. Oh, c'est trop marrant. Franchement, le côté logique. Je suis pas quelqu'un de très logique à la base, mais. J'aime énormément. Ok, ça y est. On n'est pas allé en bas. On n'est pas allé là. Ah! Avec l'ancre. Voilà. Aïe. Oh. Alors. Faut bouger vers le bas pour récupérer la clé. Alors, on va faire ça. Non. Ah, est-ce qu'il faut. Alors, si en plus il faut le tourner, mon gars. On s'en peut pas. Voilà. Ok. Peut pas le tourner. Ça, c'est la base. Alors lui, ah peut-être que. Ouais, on va monter le... C'est ça. On va monter la barre comme ça. On va les placer à droite après. Un peu comme la politique, mais en mieux. On va faire tourner ça, faire tourner ça, faire tourner ça, faire descendre. Voilà, comme ça. On va basculer ça ici. Ça là. Et voilà. Ok! Donc, on va récupérer la clé. On va récupérer les écrous. Emblème de la clé qui va sur le hank ou qui projette une autre chose. On retourne. On remet le pont. On récupère l'écrou qui nous fait apparaître le pont. On fait le tour. Hop. On le remonte comme prévu. Ok.
Ça, on va laisser ça comme ça. On va poser les deux écrous pour faire apparaître la porte. Premier. Salut les Zaggy. Comment ça va? Et là, on va pouvoir poser notre petit plaisir. Le bouton qu'on a vu tout à l'heure est apparu. Qu'on avait remarqué. Ah, avec la clé. Oh. Ok, donc maintenant il faut aller ici. Il faut retourner, il faut aller vers le Hank. Il faut retourner vers l'œil. Et après il faudra aller vers la tête de mort et retourner vers la clé. Et c'est un ordre en fait. C'est un ordre d'activation. Et là, on retourne pour jouer avec la gravité. Je laisse ouvert des fois qu'il faille se barrer en courant. Le film. Très bien. Nouvel écrou, le troisième, par rapport à la machine de départ. Ok. On a remarqué un premier danger. Hein. Attention. Hein. Ok. Non, 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 non. À mon avis, il faut pas aller dans la lumière. C'est super stylé. Ah, ok. Éteins-moi ça. Ah, ok. Et là, on retourne. On revient sur le mur. Ok. C'est très perturbant. Il y a une DA qui est incroyable. Ok. À mon avis, on doit pouvoir... Ah! À mon avis, ça va faire apparaître quelque chose. Il va falloir partir à droite. Ok. Sachant qu'il y avait quelqu'un qui était apparu ici. C'est ça. Oh, 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 mais oh, non, 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 non. Ok. Oui, chargement, merci. Très bien. Ok, ok. Petit bijou, hein, petit bijou. Franchement, je suis très fan. Non! La dernière fois. Ouais, et je. Ouais. La fois que je me suis allongé sur le lit, c'était pas. Il va se passer un truc. Je le sais, je le sais, je le sais, je le sais. Je
je sais. Aïe 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 aïe. Bon, d'accord. Ok. Ça me trop mais pas mal. Merci à Zaggy pour Snork et merci infiniment. Ok. Ouais. Dis donc, t'as pas oblitéré ton... ton métro... Oh, l'ambiance. Métro 2021. Ok. Et donc? Non mais ça fait... Tu sais, ça peut pas faire genre... Ça peut pas faire genre... Chouing! Ça fait BAM! Ça peut pas faire genre un petit bruit, genre un petit quick. Non. Non, ça peut pas en fait. C'est pas possible en fait. Non. Ils arrivent à mettre de la difficulté, de la tension dans quelque chose où il n'y a pas de, de... Petite clé. Ok. Parti trop tôt. Alors il y a une clé, ça doit partir du coup de l'autre côté. Logique, normalement. Ah, c'est pas une clé qu'on a pas. Non, peut-être une manivelle. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut. Ok. Il y a un autre truc à refaire là. Non, parce qu'on va squeaker là, hein. J'ose pas. Squeaker, squeaky. Non, non, il peut pas. Ok. On va pas squeaker. On va revenir en arrière. Je présume. Non, j'ai dit en arrière. Là, le métro s'est bien calmé. Non, mais en fait, c'est vraiment encore autre chose. Mais non. Il y a encore autre chose. C'est le rêve. J'espère que tu vas bien. Ah si, je sais. Il faut... faire ça, aller de l'autre côté, reprendre la manivelle. Et réinverser pour aller sur le toit. Alors, pas là. Pas là non plus. Ici. Voilà. Ok. Voilà. Ouais, mais très très bon, très très bon. Ok, ça y est, on y est. On n'avait pas accès à ça. Ah, attendez. On n'avait pas accès.
Ah, on met le pont pour avoir accès parce qu'on n'avait pas accès tout à l'heure. La plateforme, on était au-dessus, on a récupéré. La clé est dessus. Donc on va retourner en arrière. On va remettre cette plateforme. Non. Et on va réactiver l'accès à la plateforme. La plateforme, du coup, qui sera mise. Alors, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Ok. Voilà, c'est celle-là. Voilà. La plateforme est mise. Comment tu fais pour se repérer? J'ai aucune logique, donc je n'ai aucune logique, donc forcément je vois des choses que vous voyez pas et inversement. Ça, ça a un intérêt. Ça doit être dans l'autre salle. On va pas mettre. Alors, est-ce que c'est au départ? Il doit y avoir des trucs totalement planqués. Bah ouais. Oh, Wimboé! Très bien. Ok, ok. Très bien. Dans la jungle. Mais oui, mais bien sûr. Mais totalement. Je peux plus passer dans l'autre sens. Voilà. Non, c'est le métro qu'il faut. C'est le métro, c'est pas ça. Il faut aller dans la avec la carte du métro. J'ai besoin que je meure ce soir, vous croyez que si je fais du vrai à Twitch, là, on va où après la mort? Voilà, c'est ça. Allumette. Pour défoncer les planches de bois pour avoir accès. Pour brûler les planches de bois. Ok. Ouais, tout brûlé. Je pense que c'est tout à fait ça. Les planches de bois. Non, là, c'est la bibliothèque, donc c'est l'autre. Voilà, c'est ça. La plateforme, on l'avait mise. Ouais, c'est ça, c'est assez intuitif. Moi, j'ouvre les portes comme ça aussi, hein. Je trouve ça assez normal. Ah! Ok. Ok. Ah, c'est ce genre de montre. Je... Mais...
Quand tu... Ouais, ok. Très bien. Donc, moi, je pensais que c'était une montre électronique avec affichage numérique. Bah, du coup, si j'avais su direct, je... Oh. C'est un métro en... Excellent. il faut aller vers l'autre métro. Je suis pas logique. Bah ouais, c'est ça, je suis... Ok. Là, y a rien à faire, là, ou pas? On va quand même voir. À vous, les Suisses, hein. C'est une barre hantée, c'est là, la lettre hantée. Ah, si seulement j'avais un lance-flamme. Ok. Oh non, je peux pas m'allonger dans le lit. Parce que vous voyez. Ok. Il va se passer un truc. C'est un peu insalubre, hein? Ah, ok. Ah! Pas de chocolat, hein? Ok! Ok! On serre la pinte. Je préférais la montre. Perso, je préférais le mec, alors il arrive genre au super U. Ah, j'ai une... Excusez-moi, je cherche ma monnaie. Il pose sa montre. Un bras. Excusez-moi, je sais plus où j'ai mis mon billet de 5. Je... Pardon, je... Est-ce que vous acceptez en... en pièces? Parce que j'ai une pièce! Tu vois, très bien. Très bien. Après, le mec, si ça se trouve, son dos lui gratte. C'est quoi? Oh non! Après, c'est pas déconnant, tu vois. Et au basket aussi, c'est pratique. Non, mais ok, non! Écoute, je... Ok. Je viens de là. Je viens de là. Allons chercher des bras.
Ah, mais c'est... Ok. Ok. Sais pas ce que ça implique. On va visiter. Ça, joli des bras. Merci Sayakron pour Falcon Jack. Merci beaucoup. Ok. Oh yeah. Ok. Non. Et comment je fais pour... Ouais, bah, si je juste passe ici en fait. Voilà, je repasse. Voilà. Et je repasse. Très bien. Est-ce que c'est rassurant? J'ai l'impression... Ouais, j'ai pas hyper l'impression que ce soit rassurant de ouf. Je... Ouais. Je... Ouais, Tectonique, ça a commencé comme ça, hein. Ok. Ok. Yes. Et qui sait qui aura plus de chocolat? Ouais, t'as besoin de 5. Oh. Ok. Ok. Pas courir, ne le laisse pas tomber, il est si fragile avec sa main coupée. Ok. Bien. Non, c'est bon de le savoir. Très bien. Non, non. Nanana. Ok. Nanana. Nanana. Et si j'avais jamais à courir? Ok. Ne le laisse pas tourner. Il est si fragile de cette voiture délabrée. Non. Ouais, voilà. Ça me semble que c'est ça. Excusez-moi, j'ai posé ma montre, j'ai posé mon bras. C'est ça.
pas, avec un troisième bras, on peut faire un hand spinner. Hein. Voilà, la spagle qui fiait. Hand spinner. Il y a encore un autre truc. Encore un autre truc. Ah, ok. Non, c'est là. Ouais, il me semble. Ah, ok. Ah! Batterie de voiture. Ok, il y avait des manivelles au début avec une activation qui mène à rien du tout. Ok, très bien. Donc, faut revenir au début. La première configuration. Peut-être même celle-là. Non, pas celle-là. Si, il y avait un truc là, comme ça. Voilà, une batterie. Voilà. Non? Ah, c'est le deuxième. Il faut activer les deux, en fait. C'est ça. First Street. Là. Ah, peut-être au tout départ. Là. Non, je me disais que c'était trop facile. C'était ici, au tout départ, il me semble. Non. C'était là. Ah, mais c'était là, mais ouais. C'était au tout départ, absolument. Ok. Voilà. Alors, deuxième, logique. Non, 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 oui, non. Voilà. Troisième. Eh oh, je peux pas saisir là. Comment je fais pour saisir? Est-ce qu'il fallait juste courir à droite? Au centre? Ah mais c'est ce que j'ai essayé de faire. Non. Ah! Tourner la map? Ok. Ok. Voilà. Ok. Ouais, c'est pas bête. Ok. Très très malin. Oh hey ho. Très très malin. Ça met 203 comme on parle des mains, évidemment, bien sûr. Ok. Aïe aïe aïe. Et là, on retourne au niveau des bras. Eh, pourtant, j'ai mon dos qui gratte, hein. Un quatrième. Water, water. Ok, très bien. Le quatrième bras. Est-ce qu'il faut que je récupère la batterie? Non. Eh, vous avez remarqué? Les lettres qui changent, là, au fond. Park, dark. Marrant, ça. Ah, tout récupérer. Parce que je vois les manivelles là ici. Ah, peut-être. Ah. Ok.
On est dessus. On va se dépêcher. Ah non! Ok. Donc deux fois. Très bien. Un, deux, trois, nous irons au bois. Ok. Ouais! La clé de voiture! Pour la porte de voiture. Ok. Voilà, et là. Oh, je suis gourde. Ok. Manivelle. La manivelle. Attends. Pourquoi pas la double manette? Ou alors pour la forêt. Il me semble que c'est... Ouais, ça doit être derrière le Moonwalker. Ok. 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 Oupa, oupa. Ok. Yes, 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 yes. Oula. Aiguille d'horloge. Ça doit être sur les deux manivelles. Oh! Nanana. Ok. Bop. De toute façon, je vois un autre soleil avec lui. Ok, ok. Ok, ok, ok. Je vais pas lui planter l'aiguille. Je pense que ça va être plus inverse. Je pense qu'il va prendre l'aiguille et il va me planter avec, tu sais quoi. Parce que info chat, hein, info chat. C'est vrai qu'il y a, ok. On a les deux manivelles. Voilà, l'aiguille qui doit aller par là. C'est un jeu. Ok. C'est un jeu d'énigmes, de réflexion, de logique, en fait. Dans une ambiance un peu à la Little Nightmares. Et normalement, là, je suis censé pouvoir le baisser, là. Ah non, c'est l'autre. C'est l'aiguille qui est là. Là, il peut. Ok. Et pourquoi c'est... Ok, il faut qu'il descende encore d'un cran. Voilà! Eh? Oh! Yes! Ah! Ouais, quand je vais au parc, je vais me poser au niveau des bancs et je vais récupérer toujours un bras avec moi. Merci, c'est voilà. Merci beaucoup. Nanana.
Ok. And spin it. Oh. Ok. Il n'est pas passé à côté d'un truc. Ouais. Ok. Ah. Ok. Non, je veux pas m'allonger. J'ai une appareil. Ok. C'est hypnotisant. Ok. Et là, j'ai des pouvoirs télékinésie. C'est normal. Ok, nouvelle logique. Nouvelle logique, ça fait totalement Inception. Ok. Je suis fasciné. Je suis fasciné. Merci Eldrin. Oh non. Ok, faut faire basculer l'énergie à droite. Donc là, faut faire rebasculer l'énergie vers le haut. Ok. Là, du coup, il faudra peut-être marcher sur le mur. Ah non, récupérer la lampe, mais bien sûr. Remettre de l'énergie. Alors là, peut-être... Oh. L'énergie, il faudra le remettre vers le bas. Parce que ça doit servir à quelque chose, sûrement. S'il passe par ici. Voilà. Ok. L'énergie là est posée. Il me faut une lampe. Il faut que je récupère probablement la lampe en haut. Si la lampe est là-haut, il faut que je récupère. Oh Wimbo, ouais. L'énergie en bas. Suivre le fil, suivre le fil. Et pourquoi je peux pas activer ça? Ah, qui est peut-être dans le sens, non? C'était un simple pillage, ouais. Voyons voir ce que ça active. Alors là, je l'ai déjà installé ici. Ah!
Je suis pas allé là. Est-ce qu'il n'y a pas de l'énergie à mettre ici? Est-ce que je dois récupérer ce serpent? Testons le serpent! Ah, je vois un serpent à sonnette. Oh! Un équipement. J'imagine toujours le mec arriver à la caisse du Super U. Excusez-moi, je cherche mon billet de 5. Il pose une montre géante. Des bras. Un serpent. Excusez-moi, je... Est-ce que vous prenez mes cartes? Tu vois, le mec, il a... Genre tout ça, quoi. Genre... Je crois que j'ai un serpent dans la botte. Non, ça génère une cinématique. Une fois que... qu'est-ce que c'est, l'immense créature ? Une fois que tu arrives dans la salle, une fois que tu arrives dans la salle, ça... C'est automatique. Je pense qu'il faut alimenter l'énergie en bas, en fait. Là, on peut pas manipuler le disque. Donc, il y a quelque chose ici. Là. Oh, le truc, hein. J'ai peur pour lui. Courage. Regardez, on va la refaire. Je mets un serpent. Non. Et à partir de là, c'est scripté là. Il se passe. Ah. Ah. Est-ce que en haut, je pourrais pas. Non, je peux pas faire glisser l'ampoule en haut. Ouais. En fait, ce qui pose problème, c'est ça. Ça ne reste pas coincé. Voilà. Un autre niveau. C'est marrant parce que... Ça change absolument tout. On n'imagine pas que ça puisse exister parce que ça se voit pas. Donc ça veut dire que je dois alimenter ça ici. Yes. Et le serpent dans la botte. Le masque dans le tableau. Non, il faut que je rétablisse le courant là. C'est tellement puissant, tellement c'est malin. Vous faites comment? Bah nous, dans le désert, nous les Iraniens, on utilise souvent les serpents pour les rallonges. Incroyable.
Incroyable. C'est ouf. C'est officiel. À chaque fois, tout le jeu se réinvente. C'est on a fait 4 jeux là. 4 jeux différents. Ok. Changement de plateforme. Là, je peux pas passer. Oh, ok. Tu peux sauter désormais. Je trouve quoi à l'intérieur? Du Chatterton. Ragot s'en souvient. Na 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 na. Na 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 na. C'était là. Ouais. Je suis dans un train là, mon gars. Merci Zagisaya pour Neokido. Merci infiniment. Là, non, c'est une vitre. Panneau octogonal. Ok. Les durées de niveau sont très très bien gérées. En fait, la difficulté elle est bien gérée. Panneau. Non, il y a autre chose à mettre à l'intérieur. On me dirait Ragot. Merci Sayakron pour Shayakat. Hein. C'est très généreux de ta part. Merci beaucoup. Ok. Attention. La 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 la. Non. Qu'est-ce que c'est derrière? Du coup, il n'y a rien qui tient, non? Ça ne bouge rien? Il me faut un autre serpent, mon gars? Aïe, 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 aïe. Ok. Ah! Non, je peux faire un truc là. Hein. Voilà. Chatterton! Ah, si seulement j'avais un serpent plutôt. Ok, non. Oui. Non. Non, plutôt. Voilà. Faut le faire venir de l'autre côté. Voilà. On est non. Ah, presque. Non, non plus, non plus. Ok, oui, voilà. Non, presque. Non, non, non.
Merci Sgui pour Silent, merci infiniment. Très très remercié toi. Presque. Ah, c'est comme ça que je l'imaginais. Ah, peut-être comme ça. Non. Par le centre. Ah, peut-être par le côté. Parce que j'essaie de faire passer par le bas. Oh, une autre combinaison que je ne voyais pas. Peut-être tourner. Voilà. Yes. Électricité. Un serpent. Un piano. Alors, moi, je les connais, moi, le coup des montres miniaturisées, hein. Je les connais, hein. Hein, je connais cette histoire. Ah, ça craint du boudin. Alors ça, voilà. On passe là, c'est peut-être. Il faut que je m'auto-électrocute là ou bien non de deux. Oh. On va essayer de réfléchir d'abord à la logique, c'est le Salem. Ah. Un piano, bien sûr. Réfléchissons d'abord à la première logique. Là, il n'y a rien à part mettre des mains. C'est le pardon. Non. Donc à mon avis. Si genre il y a quelque chose là. Ah! La première fois, déjà, on était un peu... il nous avait eu. Il nous avait eu la première fois. Là, je peux pas sauter. Donc, à mon avis, on doit pouvoir, pareil, encore une fois. Voilà, passer par là. Avec. Ah oui. Wimboway. Deuxième passage. Normal, hein. Ok. Ok. Quand tu veux, en fait, tu t'arrêtes de me faire peur. Après, t'es pas obligé. Mais... Super discret. Super méga discret. Tourne-toi.
On récupère ça. Charbon. Non, 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 non. Ok. Très bien. Ok. Alors ça. Alors ça c'est non. On avait un four au début ou pas? Il me semble. Hein. Ouais là, mon gars. Est-ce qu'on n'allumerait pas tout ça? Ok. Et je veux juste... Il me manque une allumette. Ça, on a éclairé tout ce qu'on devait éclairer. Ok. Le piano, ouais, il fait pas de feu, je suis un peu déçu, hein. Vraiment, le piano ne sert pas non plus à défoncer des murs de briques. Ah, ok. J'ai l'impression qu'il y a un truc au bout, là. Ok, non, faut voir une autre dimension. Alors là, oh, attends, non. J'ai pas l'impression que je jouais du piano debout, hein. Là, y a rien là. En revanche. Ok. Faut revenir là, ici. Oh, et en fait, à l'infini, je peux me tourner. Là, on a récupéré ce qu'on devait récupérer. Je... Oh. plus de charbon, j'ai un doute. Ok, il y a une spatialisation, alors pas sonore mais visuelle, qui est oufissime. Faut se représenter les trucs en 8D quoi. Alors ça c'est bon, on va retourner un peu au début pour voir ce qu'il y a. Des fois qu'on a loupé un truc. Possible aussi. Parce que... On sait pas si... Oh! Ça, on la récupère. Ah, piano ici, non? Normal! Excusez-moi, je viens acheter des chocs à pic. Je peux vous payer avec un billet de 5? Alors, excusez-moi, j'ai un bras, j'ai une montre géante. Piano. Mais oui, bien sûr. Le pouvoir de la pesanteur. C'est incroyable. Oh, bonjour madame. Madame nue. Je viens juste récupérer de la dynamite. Ah oh oui.
bien, ce qu'on va faire, c'est... Oh, ah, non. Est-ce que je peux pas lui mettre des chewing-gums dans la... Il faut aller encore plus lentement. Attends. En fait, c'est dès qu'elle se lève, il faut que j'arrête. C'est, on est vraiment un, deux, trois soleils. Best. C'est ça. Je reconnais ce genre de personne. Hein. Après, ça vient, ça demande des allocs. En mode, je peux même marcher. Bien sûr. Bien sûr, hein, je reconnais. Vous profitez du système. Alors que nous, nous payons des charges dans notre beau pays. Évidemment. Ah, qu'est-ce qu'on aime ça, payer des charges. Qu'est-ce qu'on aime ça. Alors ça, on connaît les bails, hein, on sait, bien sûr. Ouais, j'ai l'impression que... Quand il marche, là, assis les haies, ah, ok. Est-ce que j'aurais pas besoin d'un peu de dynamite pour ouvrir le placard? Non. Est-ce que j'aurais pas besoin d'un peu de dynamite pour allumer le charbon? Non. Est-ce que j'aurais pas besoin d'un peu de dynamite pour mettre de l'électricité? Non. Non. Pour allumer un bouton. Est-ce que j'aurais pas besoin d'un piano? Non. Oh! Ok. Et mettre... Je peux pas regarder la dynamite sans... Un truc pour allumer. Dans le placard, peut-être. Dans le placard. Est-ce qu'on n'aurait pas dans le placard? Ah! Merci Sylvain, bonsoir. Je suis de retour pour jouer de nouveau à tour. C'est un plaisir de retrouver cette ambiance chill pour m'endormir aussi. Alors, je sais pas dans quelle mesure les gens vont réussir à s'endormir, mais... On essaye. Oh! Attends, oui. Bien, merci à toi et re-bienvenue. Ok. Alors, ça, c'est bon. Oh! Le train est trop chelou, quoi. Cette lanterne, peut-être au début. C'est incroyable. Oh, ça, c'est bon, on l'a fait. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, l'entrée? Ok, c'est un 1. Donc, rien à voir. Là, on peut pas aller là. On peut aller ici. Là, c'était pour te décrire la possibilité de continuer en faisant le tour.
pour t'expliquer qu'il y a une mécanique en fait, déjà de base. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait tomber les caisses. Dès qu'on pivote, piano bar. C'est le cas. Par contre, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on peut pas récupérer quelque chose ici. Alors ça, ah. Non, là, on a fait tomber. Il y en a un autre encore, de passage. Ah, au plafond, ouais, il y avait une autre manivelle. Oh! La 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 la. Ok. Incroyable. Ah, placard, clé, placard, clé, placard, clé, placard. Placard. Allumette. Le feu. Tire-bouchon, mais... Ok. Est-ce que je peux allumer des dynamites avec un tire-bouchon? Est-ce que... Voilà. Est-ce que je peux connecter... Ah non, un tire-bouchon ici? Oh, c'est vrai, c'est pas... un tire-bouchon. C'est un tire-bouchon! Ça n'a rien à voir. Comme la dernière fois, je n'avais pas une montre. J'avais une montre! Un tire-bouchon! Ah, ok. La 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 la. Ok, très bien. Du coup, qu'est-ce que c'est, Claire? Ok. Alors, et de... Oh. Aïe, 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 aïe. Mec, voilà. Je repasse. Faut que je passe deux fois du coup. Et que je descende. Ok. Une fois. Deux fois. Trois fois. Et que je passe ici. Ba-da-da-da-da-da-da-da-da. Boum. Très bien. Ok. Ouh. Une famille en or. Non. Non plus. Bah attends. Attends, je sais pas. Ah mais voilà, il faut baisser le truc.
Je crois que c'est Aimé. Bon. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que... On a compris à peu près ce qu'il fallait faire. La mauvaise, c'est que techniquement, il risque d'y avoir un léger problème. Alors... Bon... Commençons par le début. Ah... C'est... Ouais, oui. Ok, ok. Faut que je mémorise. Voilà. Non. Il faut mémoriser. Da, 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 da. C'est très très mal. Alors. Bas. Droite. Bas droite. Bas droite, à fond. Je suis limité dans le temps en fait. Le prochain, c'est le bon. Le prochain, j'ai pas le choix. Ah! First try. Ou presque. Très bien. Merci, c'est l'écran. Un briquet pour le charbon. Ou alors, un briquet pour le piano. Évidemment. Merci, c'est l'écran. Na 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 na. Tac, tac. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de... Si, si, il est incroyable ce jeu, il est incroyable. Le sous-sol du train, bien sûr, hein. Et non, le sous-sol du train. C'est... Du beurre chantant, je chante souvent. Da, 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 da. Aïe, aïe, aïe. Oh non, 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 merci, c'est très gentil. À bientôt. Na, 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 na. Ah, j'en ai marre et en même temps c'est excitant. C'est grave.
Ah ouais, non, c'est pas du move de nul. Hein. Une montre. C'est les objets qui veulent plus rien dire. Un bilboquet. Bien sûr, hein. Alors, un aimant. Un éléphant. Hein, c'est comme dans Presque des Hommes. Je crois qu'il y en a un qui a pris son pied, là. Heureusement que j'avais avec moi des lunettes. Bonjour. Je cherche un... Okay, voilà. Je cherche mon pied. Ok. Boussole. Non. Je les fais en face ray. On va tous mourir. Ah, mais la trappe au plafond, mais oui, bien sûr. Bon. Oh. Je... Ah, très bien. Ok, les fameuses trompettes de la mort. Na, 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 na. Na, 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 na. Un Vilgotron. Non? Nya, 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 nya. Ok. Et non. Ok. Ça ne fait rien. Ok. Bon. Alors. Ah mais oui, mais comme ça, mais tellement. Voilà. La boussole doit être mise ici. L'aimant, parce qu'on a un deuxième. Donc on va récupérer le premier aimant. Là, à tous les coups, on... Da, 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 da. Quelle gale, bah. Ok. Il va bouger à ce moment-là. Clé étrange. Ok. Je pense qu'il faut utiliser l'aimant. Il y avait un aimant. Au départ. Donc on va retourner à l'autre porte. On va faire tourner, pivoter le mur ici. On va ouvrir. On va le refaire pivoter. On va baisser le levier. On va faire revenir ici cet espace. On va aller dans le souterrain.
Comment récupérer? Le streamer d'ailleurs, mais j'avoue que ma mère était la révélation avec aventure. Je connaissais que tel jeu de rôle. Et bien, c'est un plaisir. Ok, on va essayer de réfléchir à la logique. Ah, ok. Meanwhile. Quand je fais le... Je sais pas ce qu'il faut reproduire en fait comme... Je sais pas ce qu'il faut... Ah, peut-être... Il y a d'autres manettes ici. Je sais pas ce qu'il faut reproduire comme comme dessin quoi. À part le poète bien sûr. Peut-être tout fusionner. La clé étrange, c'est ce que j'ai... Non. Il y avait un thé bizarre. Non, parce que du coup... que je peux le récupérer. N'importe quand, en fait. Ah! Attendez. Est-ce qu'on ne reconfigure pas la... Est-ce qu'on n'est pas en train de reconfigurer? La clé. Parce que j'ai rien fait en fait finalement. Est-ce qu'il faut pas mettre des dents partout? Il faut lui donner peut-être la forme de l'objet dont on a besoin. Regardez. Ça, c'était la forme qu'on avait vue au départ. N'approche pas ton poète de moi. Dans l'autre sens. Tiens,
sortira, t'es sûr, dans l'autre sens? Parce que moi, j'aurais... Moi, de ce que j'ai compris... L'intrigue du jeu, en fait, c'est une suite totale d'énigmes. Qu'est-ce qu'il me fait? Un coup de tête, donc. Il m'a pouetté à distance. J'avais raison. Quand on m'a dit à l'inverse, j'avais totalement raison. Info chat. Info chat. J'avais totalement raison. En first try, j'avais raison en fait. Je suis désolé, je pars. Si tu peux partir avec, tu sais, le dos de la main sur le front, en versant quelques larmes, avec quelques violons, et en continuant de partir, mais à chaque pas, tu fais « Je suis plus là !»« Je suis parti !»« Je m'en vais !»« You !» Et que tu restes dans l'ouverture de la porte. En disant... Eh oh! Je ne suis plus là, j'ai dit! Personne ne s'inquiète! Des violences, tu préfères pas un corps? Non, je préfère une trompette. Je vais pas savoir. Tortue trompette. Là, le mec, il a un fauteuil roulant, il est en trompette, quoi. T'sais, mais ça, c'est ouf. Hein. C'est ouf. Hein. Tourne-toi. Comment il mange? C'est le seul. C'est le seul truc qui t'interpelle. Comment il mange? Alors j'ai des bras, j'ai une boussole, j'ai une montre. Hein? Une boussole, bien sûr. Une boussole. Hein? Évidemment, une boussole. Boussole. Hein, la base, hein. Le petit poêle qui garantit la fraîcheur. Ok. Non, pas ok. Ah, attendez. Voilà. Donc, à mon avis, il faut faire se mouvoir l'un et l'autre. Du coup, c'est le dernier. Si ça, c'est là, donc il faut que je fasse descendre l'autre. Oh, ok. Voilà. C'est lequel? Ah non. Voilà. Voilà. Donc il faut que j'aille dans l'autre sens.
C'est celui-là ou c'est l'autre? Ah, mais c'est plutôt comme ça. Alors, je pense que c'était l'autre. Ok. C'est lui. C'était l'autre. Ah, c'est trompeur, c'est trompeur. Alors, mec, ça c'est bon. Voilà, c'était le plus intuitif. Voilà, et le dernier. Numéro complémentaire. Ah, c'est très... Tellement normal. Okay. Une boussole, une montre, un pied, un bras. En fait, tu as une forme de logique qui diffère de la logique mathématique, je crois. Ouais, Totalement. J'ai une forme de logique, mais j'ai pas du tout la même logique que les gens. Regardez avec son air de... Oh. Devant le... Non, j'ai déjà pris mon pied là. Est-ce que j'ai fait tout ce que je voulais faire ici? Est-ce que j'ai fait tout ce que je voulais faire là? Non, mais essayons de mettre le pied dedans. Ah non. Non, il faut aller vers là où il y a l'aimant, au départ. Où est l'aimant? Où est l'aimant? Non. Narmol, hein, comme on dit chez les Vikings, c'est... Je... Ok. Aïe, aïe, aïe. Et là, l'aimant. Non. Ça y est, j'ai la logique. Vous avez déjà joué à Little Big Planet? Dans Little Big Planet, il y a des mini-jeux comme ça qui se jouent à deux, qui sont super. Ok. On les a fait avec ça. Bah, c'est... moi j'aime énormément moi. C'est quoi? C'est la... Ah, ça y est, je crois que j'ai. Faut tous les faire. Ça y est, je l'ai. Ok. À chaque fois que tu repasses dessus... J'adore.
Na 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 na. Allons chez le dentiste. Normal. Ok. Elle est là pourquoi? Pas une manivelle, un truc au plafond. Ok. Ah si, bah oui, le voilà. Le normal. J'avais besoin d'une vis. J'avais besoin d'une vis. Maintenant que j'ai une boussole et un pied. Et pourquoi j'avais besoin de fermer ça en fait? Je comprends pas. Ok. Alors, est-ce que je pourrais mettre le vis si j'ai pas de deuxième pied? Ah si, le vis, c'est... enfin, la vis, pardon. Je confonds. Là, peut-être, non? Eh ouais! La vis! Hein? Avec la boussole! Of course! Ok. Ok, alors. Réfléchissons. Faut que je le fasse atteindre... là-bas. Non mais faut... ok. Okay. Donc, à mon avis, tu dois pouvoir faire revenir. Non. Faut que je le fasse descendre, en fait. Donc, voilà. Ça doit être... ah, intéressant. Faut que je revienne. Faut que je le fasse revenir par là, ça. Alors, il est parti de là. Faut que je le fasse revenir. Je sais pas ce que... je sais pas ce qui est le plus drôle. Hein. Les gens, ils sont là. Ils sont en train de convulser dans le chat. Est-ce que vous pouvez... est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît... récupérer la dose de convulsion, merci beaucoup. Ah, bon. Mais oui, mais je l'avais, mais bien sûr. Mais je l'avais, c'est évident. Tac. Est-ce que vous pouvez le refaire? Je prends un peu trop de plaisir à vous lire. Ouais. Pour une fois que je vous lis, ça déconne quoi. Les gens sont jamais contents en fait. N'importe quoi. Ah! C'est pas ça, c'est l'inverse! Qu'il se dénonce. Ok. Où se trouve la trompette? C'est là, la trompette, il me semble. Oh, bop, bop! Ouais, c'est là. Tortue, trompette, tortue, trompette.
J'ai pas de clé. Aïe! Ah, merci. Ah! Ah, tu vois quand tu veux. Tu vois quand tu veux. Hmm. En plus, il est intervenu en mode. Écoute, sans claquant des doigts, tu sais. Écoute. Papala! Je suis vraiment parti, hein! Je vais vraiment partir! Non, tu sais. Je suis plus là! Ok, c'est ninja. La taxe, il est beau gosse. Tuez! Les boules de chaque côté, comme ça, bien sûr. Est-ce qu'on peut tranquillement se trompettiser? Non, 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 non! Ouais, ok, très bien. Ça, je lis. Je m'en rends pas compte. Oh là, où les... Oh là, oh là. Tu n'as pas de tromper. Hein. Alors, ça, c'est bon. On va les remonter tranquillement. Les ferraux noirs. Je vais faire le test à cause de toi. Et tu verras, tu diras, les ferraux noirs, c'est les moins bons. Yes. Oh. Et donc, maintenant. Et là, je peux pas grimper là. Ferro noir, c'est pas la... Les blancs, c'est... ils sont bons, mais... Ok. Très bien. La pièce en face tourne aussi. Donc ça, c'est bon. Donc là, pareil. Donc une deuxième fois. Voilà. Hé, hey, tu veux pas venir avec moi? Mec, il va pas aller faire ses courses, mon gars. Va pas faire tes courses, hein? T'arrêtes pas à l'entrée de... T'arrêtes pas à l'entrée d'un supermarché, hein? Paper, ok. Yes. Pratique, hein. Franchement, super pratique. Méga pratique. Hmm? Franchement, c'est pas méga ouvert. Aïe, 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 aïe. Ok. Ok. Non, 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 non. Oh, Wimbo. Oh, hé, hey, oh, hé. Hey. Et si on se mettait à courir Ah. Merci. Attention. Tant qu'à faire.
Tester les deux verticalités. Allez, saute. Mais pourquoi? Il faut juste que... Ah, c'est un piège. Depuis le début. Hein? Aïe. Ah. Ah, Jérémy ne m'a jamais tenu la parole de... des crêpes. Je m'en occupe tout seul, mon gars. Voyelle. Ok. Oh, saute. Aïe. Non. Ah. Oh. Ah. Putain. Arrête de couiner. Je suis poursuivi par une mamie aveugle en chaise roulante. Aïe. Je m'ai tombé. Saute. Non, saute pas, juste laisse passer le caillou. Un caillou. Ah. Elle est boule, hein, tu peux pas escalader là, avec ta chaise. Non, tu escalades pas, tu défonces les murs en chaise roulante. Je la connaissais pas celle-là. Ah non. Okay. Ne le laisse pas. Alors. Petit détail. Arrête. C'est ça ton secret. T'as jamais cessé d'être en colère. Je sais, je l'ai vu dans un film. Arrête. Ok. Non. Où? Le sol? Non, mais je veux... Oh, mais non... raté. Ok. Mamie slasher. Là, je vous jure, je fais le serment que dans un prochain slasher, je mets une mamie aveugle en chaise roulante et que vous allez tous flipper. Okay. Bon, Stalagmite, Maillard. Pense stalactite. Ok. Pense stalactite. C'est pas celui-là. Suivant. Non, c'est pas celui-là non plus. Oui, ok. Et donc. Ok. Ok. Il faut retourner en arrière. Et le pire truc qui me fait flipper là, c'est la chaise roulante. Poursuivi par une mamie. Non. Ouais. Non. Ah. Non, c'est pas ce que tu crois. Le pire, c'est que j'entends les... Oui. Oh là là. Ça se trouve, elle peut juste récupérer son dentier. Ok. Non, oui. Et du coup... Ok. Arrête de couiner! Aïe! Mais! Non, c'est pas très aimable! Et non, la queue, qu'est-ce qui se passe? Oh! Aïe! Non!
c'est... Très bien. C'est tout à fait méga rassurant. J'espère qu'elle va pas venir genre à l'envers en chaise roulante. Hein. Oh, ça... Toujours être pire. Ok. Je vais t'offrir un monde au milieu de douleur. Dis-moi, princesse. Ok. C'est pas un bruit de pied, ça? Un bruit de main? Merci d'avoir participé. C'était vraiment excellent. En tout cas, incroyable découverte. En tout cas, très bon moment. Il y a des moments épiques. Je trouve que ça répond quand même pas mal à des codes de Little Nightmares. Et que c'est une belle découverte. En vrai, c'est une expérience de jeu. Ne serait-ce que avoir pendant un petit moment joué sur, non pas juste les couinements, parce que ça en adore, trois fois par semaine, mais... les notions de logique et d'inversement et tout, de réflexion, je trouve que tout est très très bien pensé. Et en même temps, être tombé une fois sur un moment où tu révèles un parchemin de logique, un parchemin de secret, t'en as un sur six, tu dis qu'il y en a cinq autres cachés quelque part, c'est oufissime. Quelle découverte.